J'aimerais maintenant passer la parole à notre dernière invitée. Au début de ce forum, on a parlé de densification en milieu suburbain et avec notre prochaine conférencière, Marie-Josée Vaillancourt, nous allons maintenant voir comment on peut densifier grâce à l'occupation transitoire des bâtiments vacants, qui sont relativement nombreux à Montréal. Diplômée en histoire de l'art et en études urbaines, Marie-Josée Vaillancourt a travaillé pour des organisations multiples, tant dans le privé que pour des EBNL. Elle a notamment été chargée de projet pour le développement du corridor écologique d'Arlington, conseillère en urbanisme pour la firme d'experts conseil en culture Art Expert, animatrice en consultation publique à l'Institut du Nouveau Monde, puis conseillère en urbanisme et patrimoine pour la firme Evoque Architecture. Aujourd'hui, Marie-Josée se définit comme une. Excusez-moi. Marie-Josée est co-directrice d'Entremise, une organisation qui se définit comme mettant l'entrepreneuriat social au cœur de sa mission. Marie-Josée présente son profil diversifié au service de la mission d'Entremise, une start-up en urbanisme qui développe des projets immobiliers dans les espaces vacants au bénéfice de la collectivité. Alors, de la même façon, en préparation de cette présentation, on a posé à Marie-Josée une question. Qu'est-ce que l'occupation transitoire et quelle forme peut-elle prendre, notamment en contexte urbain? J'aimerais inviter Marie-Josée au micro pour une dizaine de minutes avant de prendre la période de questions du public. Peut-être le monter un petit peu. Parfait. Génial. Donc, bonjour tout le monde, enchanté. Je voudrais savoir, pour information, est-ce que c'est possible de lever votre main si vous avez déjà entendu parler de l'occupation transitoire? Oh, quand même. Quand même. OK. Mais j'allais, s'il n'y avait pas eu beaucoup de mains levées, puis désolé pour les personnes en ligne, je ne peux pas voir votre réaction. Je vous aurais demandé, est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu des bâtiments vacants dans la ville de Montréal? Je pense que tout le monde, parfait. Génial. En fait, c'est ça, comme prémisse de base, je voulais juste expliquer que l'occupation transitoire, on peut l'appeler ainsi, mais on peut parler aussi de requalification ou de densification douce dans les bâtiments qui sont vacants. L'objectif, c'est juste de mettre un mot sur l'occupation d'un bâtiment vacant. Puis c'est ça, nous, notre organisation, on existe depuis 2016, puis c'est oui, on est une entreprise, un OBNL, mais c'est un peu comme Héritage Montréal, on défend la stratégie d'occupation des bâtiments vacants, là, donc c'est à peu près le chapeau que nous avons. Puis c'est ça, dans le fond. Avec le petit 10 minutes que j'ai aujourd'hui, je vais vous parler un peu de cette stratégie immobilière qui fonctionne très bien comme proposition là, pour les bonnes idées pour le plan d'urbanisme et de mobilité de la ville de Montréal. Parce qu'on, comme vous allez le voir, il y a quand même beaucoup de pieds carrés là, sur l'île de Montréal qui seraient potentiellement disponibles pour des projets intéressants. Donc, la fameuse carte. Donc, ici, vous pouvez voir les couleurs, c'est les arrondissements. Donc, c'était un portrait de la vacance immobilière sur l'agglomération ou l'île de Montréal en 2017. C'était des données qui étaient issues du service incendie de la ville de Montréal, qui ne sont malheureusement pas accessibles et probablement désuètes parce que la donnée sur la vacance est extrêmement difficile et coûteuse à avoir. Mais c'est juste pour vous montrer un peu le portrait là, des possibles pour la requalification, par exemple, de votre arrondissement ou de votre quartier. Puis c'est ça, dans le fond, pour présenter un peu plus les enjeux qui ont poussé Entremise à développer principalement son expertise en immobilier, architecture et urbanisme, en ciblant les projets vacants, donc pour faire de l'occupation ou de l'urbanisme transitoire. Mais il y a d'autres enjeux aussi. Ici, on a des données qui datent un peu, mais c'est toujours entre 35 ou 40 % ou 45 % de déchets qu'on peut retrouver dans les sites d'enfouissement qui sont issus de la déconstruction. Donc, ça nous donne une idée sur l'impact écologique du non-réemploi des bâtiments existants que nous avons sur notre belle métropole. Il y a d'autres données aussi qui étaient publiées au niveau le nombre de bâtiments abandonnés, puis surtout, ben, l'image parle d'elle-même, là, c'est les bâtiments qui sont abandonnés. Donc, les effets néfastes de la vacance, c'est par exemple les incendies dans les quartiers, mais il peut y avoir aussi comment dire, les graffitis sur les bâtiments, il peut y avoir de la vermine dans les bâtiments. Si on est absent, par exemple, pardon, je pensais que j'avais. Si on est absent, par exemple, dans un grand bâtiment comme l'hôpital Royal Victoria, que vous connaissez peut-être au centre-ville, là, qui est sur le Mont-Royal, ben, ça se pourrait qu'à un certain moment dans le bâtiment, il y ait une fuite d'eau, puis là, ben, justement,
Le bâtiment, c'est une grosse machine, il faut en prendre soin, comme on peut voir ici dans la salle, pour les personnes qui sont en ligne, peut-être que vous ne voyez pas, mais je pense qu'on peut imaginer, vous-même à la maison, s'il y a une fuite d'eau, il faut être réactif. Donc, c'est un peu ça les objectifs d'occuper ce type d'espace-là. Puis c'est ça, dans le fond, pour ceux qui sont peut-être moins familiers avec le processus de développement immobilier plus traditionnel, c'est qu'on est souvent dans l'attente d'un projet parfait. Là, on vous a présenté la Saint-Sulpice, qui était l'ancienne bibliothèque, si je ne me trompe pas, mais sur Saint-Denis, en fait, qui est vacante depuis assez longtemps. Puis je pense que si vous suivez l'actualité, vous avez vu plusieurs ministères et partis politiques présenter des propositions. Puis finalement, son inoccupation était tellement longue que ça va coûter extrêmement cher pour la requalifier. Puis le projet n'est pas encore nécessairement canné, mais c'est juste pour vous donner cette idée que si on planifie un projet immobilier, normalement, on dit ça va être prêt dans 5 ans, mais ça va être prêt dans deux ans, mais ça va prendre 5 ans, 10 ans avant que le projet soit finalement vraiment conçu. C'est pour ça que par la suite, je voulais vous expliquer un peu le concept de l'urbanisme et l'occupation transitoire. C'est plutôt de planifier le projet par l'occupation. Si ce bâtiment-là était vidé, bien, à ce moment-là où il est vacant, bien, il y avait déjà des occupations préliminaires ou préalables dans ce bâtiment-là. Alors, pourquoi pas planifier un projet plus permanent ou construit par l'occupation, puis comme ça, on s'assure de préserver ses biens immobiliers. Puis c'est ça, dans le fond, pour finir la boucle sur l'explication de la stratégie de l'urbanisme ou de l'occupation transitoire, mais dans le fond, c'est un peu dans l'innovation, et c'est pour ça que c'est intéressant de partager ça avec vous. Je vous remercie justement de venir écouter ce genre de conférence là, pour vous nourrir dans les réflexions par rapport au plan d'urbanisme et de mobilité. Mais c'est justement dans ces approches-là, quand on fait ce type de projet-là, il faut essayer de trouver des façons d'analyser différemment, tout en respectant les règles et les lois, le Code national du bâtiment, notamment et spécifiquement la partie 10 qui porte sur les bâtiments existants. C'est aussi d'essayer de décortiquer les règlements d'urbanisme. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des règlements d'urbanisme, parce que ça, c'est lié aussi au plan d'urbanisme et de mobilité. C'est très compliqué. Moi, avant de faire ma maîtrise en urbanisme, je ne sais pas si j'aurais compris ce qui est écrit dans ces documents-là, puis si j'aurais pu me retrouver dans tout ça. Fait que bref, si jamais ça vous arrive un jour, n'hésitez pas à demander aux urbanistes de vos arrondissements de vous aider dans cette lecture-là. Puis c'est ça, c'est d'essayer de trouver dans ces règlements-là, est-ce qu'il y a une façon de faire pour que cet espace-là soit occupé avec des usages qui sont, avec des nuisances qui sont faibles. T'sais, on ne parle pas de avoir un bâtiment vacant puis d'insérer une boîte de nuit qui va déranger tout le quartier. Non, on parle d'un bâtiment vacant avec peut-être des espaces à bureaux ou des ateliers d'artistes où il n'y aura pas d'émanations toxiques. Fait que bref, c'est vraiment des usages légers qui n'auront pas d'impact sur le quartier ou pas d'impact négatif. Parce que les impacts positifs, je vais vous les présenter un petit peu plus tard. Puis c'est ça, dans le fond, quand on fait ce genre de projet-là, j'imagine que vous avez déjà peut-être essayé de changer la hauteur de votre clôture dans votre cour arrière, ou peut-être que vous avez voulu installer une installation pour vos neveux, vos nièces dans la cour arrière, mais des fois, ça peut devenir compliqué, le processus administratif, quand on parle avec nos administrations, nos arrondissements, les professionnels et tout ça. Fait que bref, l'occupation transitoire, quand on est entouré avec des professionnels ou des intermédiaires qui sont capables de faire le lien puis de trouver des façons plus faciles de faire ces projets-là, c'est quand même intéressant. Puis, effectivement, le dernier point dans ce volet d'innovation-là, c'est d'essayer de voir comment collaborer avec le service incendie puis la vie des pompiers là, pour l'occupation de ces bâtiments vacants-là. Fait que dans le fond, je me suis dit, pourquoi pas vous présenter deux exemples inspirants. J'ai pris deux typologies de bâtiments qui pourraient fonctionner dans les arrondissements de l'Est, donc notamment les bâtiments industriels que je vais vous présenter ici, puis aussi les bâtiments commerciaux, donc les artères commerciales de proximité là, que vous pouvez voir par exemple sur Maurice Duplessis. Donc, puis en contexte suburbain, parce que c'est le contexte aujourd'hui, on n'est pas dans la densité que M. Meloche a présenté là, tout à l'heure. Donc, ici, on a un projet que Entremise avait développé en collaboration avec la Ville de Montréal et la Division du patrimoine, ainsi que grâce à un financement là, de la Fondation McConnell, parce que c'était le premier projet là, qu'on développait. Donc, c'est un peu c'était de la recherche et développement. Puis là, vous pouvez voir, je ne sais pas pour ceux qui sont peut-être moins familiers, mais c'était dans le quartier de Griffintown, qui était près de peut-être le TS, ou en tout cas, bref, près du centre-ville, mais quand même excentré. Donc, ça, c'était un bâtiment public de la ville qui était vacant, comme on peut le voir ici. Puis là, bien, on a les créateurs, fondateurs d'entremises qui sont des gens issus de l'architecture, de l'urbanisme, du design, de la communication, de la conservation du patrimoine qui ont dit,
on va essayer de faire quelque chose avec ça. C'est un bâtiment public qui est sous-utilisé. Pourquoi pas essayer de bâtir un projet collectif avec ces pieds carrés-là? Donc là, c'est les expériences en architecture puis en ingénierie là, qui ont été mises à profit. Fait que c'était de questionner en fait là, les analyses existantes pour voir qu'est-ce qu'on est capable de conserver, parce que dans le cadre de ce projet-là, c'était pas possible de l'occuper sur une période plus longue que 2 ans parce qu'il allait être déconstruit pour faire, heureusement, du logement social. Donc là, c'était de voir, avec la mécanique existante, qu'est-ce qui est possible de faire à moindre coût pour occuper l'espace. Puis parce que c'était un projet qui était un projet de bâtiment public en partenariat aussi avec la ville, mais là, on avait fait un appel à candidature, fait que, c'était tout le processus de consultation là, avec les critères que vous pouvez voir actuellement. Puis les partenaires mentionnés, dont la Maison de l'innovation sociale, l'arrondissement du Sud-Ouest, qui était l'arrondissement qui hébergeait le projet, là, c'était sur son territoire, le soutien de la ville, puis la Fondation Mekonoun. Puis dans le fond, il y a eu une cinquantaine de candidatures pour occuper l'espace. Puis par la suite, c'est que ça se voulait avec un angle collectif, effectivement. Si vous préférez faire des projets moins collectifs, c'est possible aussi. C'est à peu près la même méthodologie. C'est juste que ça va être moins dans les ateliers ou la co-création, mais c'est possible de proposer des projets là, dans les bâtiments vacants de vos arrondissements. Puis c'est ça, nous, on avait fait un concept de co-gestion puis de co-design. Fait que là, c'était les architectes qui faisaient le transfert de connaissances pour aménager les espaces ensemble. Ça réduit les coûts, ça crée des liens, comme les échanges quand on est dans le centre-ville, qui a été présenté tout à l'heure là, dans la conférence sur la densité. Puis dans le fond, vous pouvez voir la densification douce. Donc, on passe d'un espace industriel vacant à un espace industriel complètement occupé, à faible coût. En plus, on avait fait beaucoup d'aménagements avec des matériaux de réemploi. Fait que, bref, ça a été quand même intéressant comme projet. Puis là, vous pouvez voir justement les compétences en architecture mises à profit là, pour occuper ce type d'espace-là. Puis, au final, les impacts que ça a sur le milieu de vie, bien, comme on parlait un peu aussi dans la conférence sur la densification, c'est l'accessibilité au commerce, peut-être à des services ou des emplois. Donc, dans ce projet-là, il y a eu un total de 35 organismes qui étaient des organismes en démarrage, que ce soit des artistes ou des start-up avec un volet peut-être plus économique. Mais tout ça pour dire que ça a donné une première occasion pour occuper un espace à ce type d'entreprise-là, sachant que si vous n'avez jamais loué un espace, il y a quand même des choses à faire, un plan d'architecte, aller signer un certificat d'occupation et tout ça. Fait que c'est quand même intéressant d'avoir un organisme intermédiaire ou porteur qui donne accès à ce genre de pieds carrés-là pour une collectivité. Puis le deuxième projet, qui va peut-être en toucher ici certains, parce que c'est dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, c'était le projet Courtepointe, qui était un hub commercial socio-communautaire. Il a été fait en collaboration avec la Société de développement Ingus, là, qui a racheté certaines parties de bâtiments là, sur Notre-Dame, là, au vieux Pointe-aux-Trembles. Puis dans le fond, ça c'était un... Je vais vous en parler plus tard, mais ça c'est... Bien, je vais peut-être le lire parce que c'est quand même mignon, mais une courte pointe, ça a une histoire, ça a de la valeur, ça raconte quelque chose. C'est aussi un regroupement de plusieurs éléments distincts qui forment un tout cohérent. Une courte pointe, c'est chaleureux, c'est invitant, c'est tissé, serré. Donc, quand vous voyez ça, une façade colorée comme ça, avec une ambiance ainsi, versus, j'aurais peut-être dû vous montrer la façade avant, qui était complètement beige avec des graffitis vides et tristes, mais je pense que c'est quand même intéressant là, d'avoir ce genre de projet-là dans nos quartiers. Puis c'est ça, dans le fond, Courtepointe est un projet collectif. Encore une fois, on avait fait l'appel à candidature. Les occupants qui étaient intéressés, on a mis tous ensemble la main à la pâte. On a redonné de l'amour à cet ancien magasin de sport pour occuper de façon le plus abordable possible l'espace. Puis on a aussi fait des collaborations avec des étudiants en design là, de l'UQAM. Puis c'est ça, dans le fond, quand ça a été terminé, bien, on avait une belle collectivité. Il y avait un café, il y avait l'éco-quartier, en fait, parce que Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, pour ceux qui le savent, il y a l'éco-quartier qui est un petit peu plus dans le coin Rivière-des-Prairies. Fait que là, on avait un comptoir pour Pointe-aux-Trembles, donc ça donnait une accessibilité, un deuxième espace, en fait, là, à l'éco-quartier. Il y avait deux charmantes femmes qui faisaient du tissage, pardon. Puis aussi, dans le fond, dans le projet, vous pourrez le voir là, dans la prochaine slide, mais il y avait aussi une épicerie zéro déchet.
Il y avait eu aussi un entre-deux parce que c'était un bâtiment vacant, puis on essayait d'avoir, de trouver les gens pour occuper l'espace. Mais pendant ce temps-là, il y a eu le marché de Noël qui s'est déroulé dans le projet. Puis, on a eu la chance d'avoir la visite de Mme Plante pour, dans le projet. Puis, ben, justement, ben, le projet partenarial, ben, il y avait beaucoup d'élus qui étaient impliqués, puis aussi la société de l'Omangus qui nous avait accompagnés là-dessus. Mais pourquoi je vous présente ça, c'est juste pour vous montrer que dans ces bâtiments vacants-là, ben, on peut emmener un petit peu de magie si on se met ensemble, puis on veut faire des projets collectifs. Puis c'est ça, dans le fond, là, je vous montrais un peu le lancement là, du projet. Puis c'est pour vous donner une idée, dans le fond, sur l'artère Notre-Dame. Fait que là, on avait un 5000 pieds carrés, là, où vous pouvez voir le café, l'espace collectif, le comptoir d'éco-quartier, la friperie, il y avait une friperie aussi, puis voilà. Puis là, on peut voir justement l'ensemble des organismes là, qui étaient dans ces locaux-là. Il y avait deux locaux là, qui étaient requalifiés pour ce projet-là. Ah, ici, il y a un petit bug pour la dernière diapositive qui était quand même importante. ben, en fait, en résumé, par rapport au plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal, ben, je pense que c'est une bonne stratégie là, que de réfléchir à comment densifier aussi les bâtiments existants. Là, on a présenté des typologies industrielles et commerciales parce que ça touche principalement les bâtiments vacants de l'Est. Si on était au centre-ville, on aurait peut-être parlé de la vacance des bureaux, des espaces à bureaux là, avec les nouvelles tendances actuelles. Mais tout ça pour dire qu'on pense que c'est un outil qui est quand même intéressant là, et à ne pas sous-estimer, sachant que c'est développé un peu partout aussi, là, à l'international, en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis. Donc, voilà. Merci beaucoup, Marie-Josée, de nous parler de transitoire. Alors, l'urbanisme transitoire, c'est aussi un volet qui est présenté dans le projet de ville. Je vous invite à consulter ce que la ville nous donne à voir dans son projet de ville. Et je serais aussi curieux de t'entendre sur ce que la ville peut faire pour les bâtiments qui lui appartiennent, mais pour ceux qu'elle ne détient pas également lorsqu'on parle de transitoire. Alors, c'est la période des questions. Et je vais vous inviter à nous rejoindre ici au micro en avant. Pour donner la possibilité au maximum de personnes de venir s'exprimer, de la même façon que tout à l'heure, je vous inviterai à des interventions qui sont concises, à des questions. Et bien sûr, de vous identifier si vous ne vous représentez que vous-même ou un groupe spécifique. Bonjour. Alors, bonjour. Je ne sais pas si on m'entend. Alors, mon nom est Marie-Carmen Michel. Je suis la présidente de l'Association socioculturelle de la communauté haïtienne de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. C'est une nouvelle association, donc on veut faire rayonner la culture haïtienne à Rivière-des-Prairies et à Pointe-aux-Trembles. Donc, ma question était pour vous, Mme Maheu. Vous avez parlé de la place des femmes, en fait, pour la ville de Montréal, qu'est-ce qu'elle peut faire, se sentir en sécurité ou se sentir incluse. Quand on parle, parce que vous avez parlé beaucoup de pistes cyclables, parce qu'il faut penser, je ne sais pas dans vos réflexions, si vous avez pensé, pour diverses communautés, c'est difficile l'accès, justement, aux pistes cyclables, parce que de un, le coût pour certaines familles, c'est difficile d'avoir accès à un vélo, mais ces familles-là, quand même, ils aiment beaucoup faire la marche. Donc, c'est beaucoup accessible. Donc, avec l'aménagement, est-ce que vous avez pensé à un aménagement que ce soit plus accessible à ces femmes-là de pouvoir marcher parce que c'est plus accessible, c'est moins coûteux, et aussi de penser à la luminosité parce qu'on sait que en soirée, même s'il y a de la lumière, mais elles sont très tamisées. Donc, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup de citoyennes qui m'ont dit ça aussi. Et moi, j'aime marcher aussi. Donc, parfois, on se sent moins en sécurité parce qu'il n'y a pas assez de lumière pour pouvoir marcher. Et puis, on sait que c'est bon pour la santé. Ça nous permet de se dégourdir, de se changer les idées après le travail ou quoi que ce soit. Donc, est-ce que ça fait partie de vos réflexions de repenser à ça au niveau de la ville de Montréal? Désolée. Donc, oui, merci pour la question. Je vais recommencer pour les gens. Donc, sur la partie sur la luminosité, ça fait donc en effet partie des principes d'aménagement sécuritaire à considérer puis à avoir en tête quand on réfléchit à
comment faire en sorte que la population, que les femmes se sentent en sécurité. Donc, il y a une réflexion à faire. C'est pas évidemment une solution magique, une pensée magique que de penser que la lumière va créer un sentiment de sécurité en soi, mais ça fait en effet partie des éléments qui sont incontournables, dont il faut quand même considérer et tenir compte en fonction des parcours de marche, en fonction des espaces qui vont être finalement occupés, qui vont être les espaces de marche et d'occupation du territoire que les femmes vont utiliser. Donc, je pense que cette connaissance-là des habitudes réelles des Montréalaises dans le quartier, donc aller à leur rencontre et savoir c'est quoi finalement les liens, comment elles occupent le territoire, comment elles se déplacent sur leur territoire, et donc en fonction de cette connaissance-là, qui parfois peut être informelle, qui peut ne pas correspondre aux artères principaux réels, mais qui sont la vraie occupation et les vrais déplacements de la population, je pense qu'il y a toute la réflexion sur la luminosité. L'autre question sur la marche, oui, tout à fait. En fait, c'est vrai, j'ai donné l'exemple là, des pistes cyclables, qui est une forme de d'occupation, de déplacement et de mobilité, mais complètement, je pense que pour réfléchir à la bonne division finalement territoriale qu'on peut avoir selon les types de mobilité qu'on souhaite utiliser, pour moi, la première étape serait justement d'aller voir, par exemple, l'Association des femmes haïtiennes de la communauté pour dire bien, de quelle façon les femmes se déplacent, de quelle façon culturellement, c'est quoi leurs habitudes, et en fonction de ça, je dis tout le temps, la population est la première experte de son vécu, de ses réalités, de ses besoins. Donc, si c'est la marche qui est quelque chose de très important, de très répandu au niveau de certains quartiers, bien pour moi, c'est incontournable de le considérer puis de faire en sorte que ça soit présent et important dans la façon dont sera divisé là, les différents types de mobilité. C'était un exemple, mais oui, tout à fait, vous avez raison. En fait, je trouve que c'est un très bel exemple d'angle mort que moi-même je peux avoir et de ramener à la réalité du quartier, c'est quoi l'occupation, le type de déplacement et de mobilité réelle que peuvent occuper certaines Montréalaises, et d'en tenir compte dans les choix qui seront faits après ça en termes de, pour les 10, 15, 20 prochaines années, en termes d'aménagement du territoire. C'est un très bel exemple, je trouve. Merci. Merci. J'inviterai la prochaine personne s'il y a une question. Sinon, j'en ai plein dans ma liste, mais je vais donner la parole à vous aujourd'hui. J'inviterai peut-être une autre personne qui ne s'est pas encore exprimée. Si par contre il n'y a personne d'autre, je vous redonnerai la parole. Oui, bonjour. Je vous invite à venir au micro qui est juste ici. Bonjour, Lynn Larouche. Merci beaucoup pour la présentation. Je trouvais intéressant... Pardon? Non, je faisais un signe à mon collègue pour qu'il puisse baisser le micro parce que c'est... Pardon. Merci. Je trouvais intéressant, Monsieur Février et Madame, je me souviens plus maintenant, je m'excuse. Madame Vaillancourt. Je trouvais que ça pouvait être un mix intéressant et pour des lieux de culture ou même des lieux de, vous disiez, pour pratiquer aussi. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le fait que vous disiez que vous aviez mélangé aussi, vous aviez utilisé, vous avez fait participer des étudiants qui ont fait réagir aussi la population plus grande et tout ça. En tout cas, je trouvais que c'était un projet que vous avez fait qui était vraiment bien. Et j'étais curieuse aussi de savoir, puisque vous parlez d'occupation, c'est pas permanent et tout ça, qu'est-ce que les groupes qui viennent participer au projet, puis tout ça, quand c'est implanté, tout ça, qu'est-ce qui arrive avec eux? Est-ce que c'est... Ils savent que ce n'est pas permanent, mais quand même, c'est un pas en avant pour aller ailleurs, ou comment ça fonctionne? On ne prendra pas de chance. Mais excellente question. En fait, je ne l'ai pas précisé en début de présentation. Merci beaucoup. Dans le fond, le transitoire, ce n'est pas nécessairement du temporaire. Il y avait le code du projet 1 qui était présenté, qui exceptionnellement était 24 mois, mais l'objectif, c'est d'occuper le bâtiment vacant. Donc, si
les locataires ou les occupants ou le porteur de projet souhaitent, par exemple, acquérir le bâtiment, mais pas les moyens, bien, il y a plein de stratégies qui peuvent être proposées comme une location sur 5 ans, 10 ans avec possibilité de rachat en premier choix. S'il y a des gens qui veulent juste être locataires, bien, à ce moment-là, ça peut être un projet qui s'échelonne sur 5 ans, puis ça va vraiment dépendre des projets, mais c'est sûr que l'objectif, par exemple, on a des projets dans les églises où là, c'est vraiment plus de la requalification architecturale, bien là, c'est sûr qu'on est dans le permanent, là. Mais c'est ça, ça dépend des projets. Merci beaucoup pour la question. Merci. J'aimerais peut-être inviter Stanley aussi à réagir. On a parlé dans les forums précédents du manque d'espace, notamment pour les artistes et les acteurs culturels à Montréal. On voit que le transitoire, c'est une avenue. Est-ce que vous avez peut-être d'autres obstacles que vous identifiez, vous, dans votre pratique au quotidien, en termes d'accès à des locaux? Ah, bien sûr, c'est l'enjeu sur l'île de Montréal. Il y a eu l'exode. Exemple, j'étais moi avant sur la rue Casgrain. J'ai dû abandonner mon atelier et aller de l'autre côté de l'île, à Longueuil. Là, actuellement, les artistes de Bellechasse ne sont plus là. Tout le monde est rendu beaucoup plus loin à Chabanel. Et après, je pense que ça va se rendre à Laval. Donc, la question qui se pose, face à je crois qu'il y a la ville fait des actions concrètes, mais les actions sont en faveur des propriétaires, des groupes immobiliers. Exemple, je me souviens, avant de bouger sur Casgrain, il y avait une vieille école qui était à côté sur la rue des Gaspé. On a plutôt investi 28 millions de dollars pour une location de 30 ans à un privé, plutôt de rénover la vieille école avec ce 28 millions et loger les artistes de manière permanente, vous voyez? Donc, on ne pense pas du long terme, je ne dirais pas du développement durable, mais c'est un point de vue économique simple. Donc, la ville ne donne pas pour rien. Dans mes calculs, c'est ce que j'ai pu comprendre. Du moment que le nouveau propriétaire a acheté l'immeuble, alors il l'a rénové, il a ajouté de nouveaux ascenseurs. Alors, la valeur de l'immeuble est devenue, je ne sais pas combien de fois plus. Et les artistes, qu'est-ce qu'ils font? Donc, les taxes municipales augmentent. Donc, le propriétaire, il envoie les taxes aux locataires. Donc, les artistes ne pouvaient même plus payer. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des locaux qui étaient supposément en vue louer pour aider les artistes, mais c'est des PME qui sont là-dedans. Donc, c'est comment développer des structures permettant à des artistes, c'est ça mon point, de devenir, par des coopératives, mais des propriétaires. Ça veut dire de développer des espaces avec des lieux d'atelier et des résidences et que l'artiste en devienne propriétaire. Donc, on travaille à faire bouger l'économie. La contribution de l'art est immense. Exemple, le plateau n'est pas ce qu'il est s'il n'y a pas d'art. Le Myland ou partout ailleurs dans le monde, que ce soit New York, l'artiste vit toujours l'exode. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en moyen de devenir propriétaire, mais par contre, il développe une économie où ce que d'autres vont venir s'enrichir de la part du marché de l'art. Parce que c'est ce qu'on fait, on valorise plus, c'est des valeurs ajoutées, je dirais. Quand un artiste se met dans un territoire, c'est une valeur ajoutée. Donc, c'est l'obstacle majeur à la création. On vous voit, vous ne nous voyez pas dans la salle, mais on vous écoute encore une fois avec intérêt. Merci pour votre intervention. Je prendrai peut-être une toute dernière question. Oui. Avant de prendre une pause. Bonjour tout le monde, vous m'entendez bien? Mon nom est Jean-Philippe Lambre, je travaille pour la CDC de la Pointe, c'est la table de quartier de Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. En fait, ma question s'adresse entre autres à M. Stanley, mais aussi à tout le monde, tous les panélistes présents aujourd'hui. J'aimerais savoir qu'est-ce que la ville peut faire en plus, selon vous, pour en fait repérer le talent dans la communauté, trouver ses artistes, leur donner une première occasion et ensuite les mettre en rapport, en relief avec que ce soit des organismes comme PME Montréal qui pourraient peut-être les aider dans leur projet entrepreneurial ou peut-être d'autres types d'organismes communautaires qui pourraient développer des projets dans la communauté comme vous-même, vous avez fait, M. Stanley, à Longueuil. Donc, qu'est-ce que la ville peut faire en plus? On a parlé d'espace, mais déjà pour encourager les citoyens à faire valoir leurs talents, ensuite pour encourager ces nouveaux talents à devenir des artistes et peut-être
avoir un certain revenu et enfin pour être vu dans leur communauté en développant des projets avec les organismes locaux. Merci. Merci pour la question. Merci, ouais. Désolé. Pour ma part, je crois que c'est de faire connaître les ressources existantes aux artistes. Qu'est-ce que la ville possède? Exemple, là, on a vu sur le plan les lieux vacants. Donc, si la ville possède des immeubles vacants, lance un appel de possibilités d'ateliers. Parce que demain matin, si vous offrez à un artiste un accompagnement entrepreneurial à devenir un entrepreneur et faire la gestion de son travail, c'est sûr, vous allez avoir plein d'artistes qui vont répondre à l'appel. Deuxièmement, là où il y a un manque, je crois, c'est dans la capacité de reconnaître ou valider davantage le travail que l'artiste fait dans un territoire. Et c'est ce qu'on essaie, je fais le parallèle à Longueuil, on a développé un événement qui s'appelle Jeu, où ce que c'est l'art qui devient le moteur d'activation sur le territoire. Donc, ce qu'on fait, on va chercher des citoyens, citoyennes éloignés du vieux Longueuil et leur donner une capacité à manifester et aller à rencontre de l'art. Là, on a commencé à faire ça dans les maisons publiques, tranquillement, à inviter la population à ouvrir ces espaces. Donc, je pense qu'il faut faire des appels aux artistes, comme on fait un appel d'offres aux entrepreneurs, de faire des appels de propositions de projets. Vous avez un projet à réaliser, qu'est-ce qui vous manque, qu'avez-vous besoin? Et là, l'artiste propose ses projets. Je pense que c'est une manière aussi de trouver les gens plus facilement. En complément, tout à fait d'accord, je trouve ça super pertinent, là, les pistes que M. Février donne. Je dirais, la reconnaissance, certes, est super fondamentale, mais en termes partenarial, comment faire du démarchage et pour aller là où la ville n'est peut-être jamais allée en termes de partenariat, comment simplifier les processus, par exemple, d'appel de projet ou d'appel de proposition pour que des gens qui sont peut-être moins habitués qui peuvent avoir peut-être besoin d'accompagnement dans la façon de remplir de la paperasse, etc. Donc, juste prévoir ou réfléchir des processus, puis peut-être que ça existe, là, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas. En fait, je sais que qu'il y a des choses qui se font, mais comment renforcer cette posture-là d'accompagnement de gens qui ont peut-être moins l'habitude de faire affaire avec de la paperasse, avec des appels de propositions et tout, pour pas que ça devienne un obstacle à leur participation et à du financement, mais qu'au contraire, lorsqu'on essaie d'ouvrir ces possibles-là, mais qu'il y ait aussi l'appui en termes d'accompagnement pour que ça puisse devenir possible. Je pense que ça va un peu dans le sens de ce que M. Février disait aussi. En deuxième complément, mais je pense que dans cette sphère-là, une bonne stratégie, ce serait peut-être d'être plus se retourner vers le terrain, notamment il y a plusieurs PME Montréal, il y a plusieurs pôles de PME Montréal qui est un organisme d'accompagnement économique à la Ville de Montréal qui est une parapublique qui, certaines d'entre elles sont propriétaires, ont des fonds d'acquisition, en tout cas fonds de l'acquisition. Puis quand on est une parapublique ou un OBNL, on est plus agile que le grand système ville qui doit respecter le service des baux, le service juridique, etc., puis le système administratif. Puis sinon, je pense que aussi quand c'est des organismes terrains comme PME Montréal, mais peut-être la CDC, peut-être d'autres organismes sur votre territoire, vous avez vraiment une connaissance fine d'où sont les talents, où les gens dans votre organisation les connaissent. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être plus dans des canaux locaux là, qu'on retrouverait ces éléments-là, puis du côté de la ville, ça serait peut-être plus dans un soutien financier ou un programme ou un genre d'éléments comme ça pour simplifier le tout. Là. Je vous remercie. Alors, c'est ce qui met un terme à la portion conférence de ce forum. J'aimerais remercier les panélistes pour leurs réflexions, leur partage. J'aimerais vous remercier pour vos questions et je voudrais aussi vous rappeler que l'ensemble des vidéos et des présentations seront disponibles sur notre plateforme réflexion2050.ca. Alors, avant de prendre une courte pause d'une dizaine de minutes, j'aimerais vous expliquer comment vont se dérouler les ateliers qui se passent juste à côté. On vous en propose deux.
un sur la mobilité, où est-ce que vous pourrez identifier des enjeux et faire des propositions sur les différents modes de déplacement et sur les aménagements qui sont possibles, et l'autre sur l'aménagement des milieux de vie. Et là, vous pourrez discuter notamment de solutions sur des thèmes variés, tels que le logement, les commerces, l'environnement ou l'équité sociale. Alors, vous n'aurez qu'à chercher les affiches sur les tables, tout est indiqué, on sera juste là pour vous guider. Et aux personnes qui nous suivent en ligne, n'oubliez pas que vous avez jusqu'au 6 octobre pour vous inscrire à la période d'audition des opinions qui aura lieu le 11 octobre pour la première. Cependant, si vous voulez soumettre une opinion écrite, vous avez jusqu'au 31 octobre pour nous la faire parvenir. Toutes les informations se retrouvent sur notre site web réflexion2050.ca. Alors on se donne une petite période de 5-10 minutes parce que le temps file et puis je reprendrai les micros pour annoncer le début des activités. Il y a des cafés, il y a de quoi manger. Sentez-vous à l'aise.